Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour le tirage du jour du mardi 22 août 2023. Alors 22, c'est un maître nombre très puissant. Avec le 22, on va pouvoir ressentir des choses très négatives mais également très positives. On va vous demander de vous recentrer en fait sur le côté positif. Face à une situation par exemple qui vous perturbe, ou un souci de santé, ou une mésentente également quelconque, hein, amicale, dans le couple ou autre, on vous demande de vous recentrer en positif. Parce qu'en 22, on a tendance à plus réagir en négatif. Côté professionnel, là on va apprendre à consolider ses expériences du passé, à être méthodique, à être dans le présent pour obtenir de meilleurs résultats. Avec le 22 aussi, on vous demande de partager votre succès, voyez, de le porter collectivement, j'ai envie de dire. Côté sentimental, là, on est dans l'équilibre, tout en étant évidemment capable de cultiver, de réunir des compromis, hein. Tout est fructueux, là, c'est très fort, c'est puissant. Le 22, c'est vraiment, on s'engage, on se responsabilise. Mais également, il faut être clair dans sa tête, hein, avec ce que l'on veut et ce que l'on peut donner. Il faut ne pas oublier, voilà, bien mesurer l'importance de ce que l'on veut donner et ce que l'on peut donner. Le 22, bien entendu, c'est très positif. Négatifs sont réunis en un seul. On a une forte capacité de création, de construction exceptionnelle. On est bon, hein, on est bon, surtout avec les plus jeunes que nous. Mais on peut se montrer tyrannique, hein, être un petit peu caustique, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va regarder tout de suite avec Monsieur Augure Blanc pour notre journée du mardi 22 août. Mardi 22. Hop. Nous avons Véricle. Véricle. Fausse pierre faite de verre. Attention, attention. Aujourd'hui, on pourrait être attiré par quelque chose qui brille, par quelque chose qui peut nous sembler tout à fait bien, hein, qui, voilà. Mais vous connaissez la phrase, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Tout ce qui est rouge ou doré aujourd'hui, eh bien, attention. C'est simplement une petite mise en garde sur tout ce qui peut briller en rouge ou en doré aujourd'hui. Les premières impressions, il va falloir les dépasser, tout simplement. Prendre un peu de recul également et se laisser le temps de la réflexion et de l'analyse aujourd'hui. On ne fonce pas tête baissée si on est attiré par quelque chose. Aujourd'hui, on est plutôt dans la réflexion. On prend du recul et on réfléchit. Allez, monsieur le jeu de 32, pour notre journée du mardi 22 août 2023. 22. Alors, vous, si vous avez les cheveux clairs, ou bien votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, il y a un contrat, une signature. Maintenant, il peut y avoir un contrat, une signature qui est fait tout à fait amicalement et sincèrement. Regardez ça. Les amis, si vous êtes en attente d'une signature, si vous avez les cheveux clairs, ou bien tout simplement votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, eh bien, il y a une résultat, il y a une... Je vais y arriver. Il y a quelque chose de positif qui est signé, qui est acté, là. C'est quelque chose de beau. On va démarrer, on a beaucoup de bonheur. C'est la carte, en plus, la carte la plus forte. Il va sans dire que là, on a quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon. Allez. Une, deux, trois, quatre. Et nous avons au dos un rendez-vous de l'imprévu. Là, vous pouvez aussi croiser une jeune fille blonde, par exemple. Un rendez-vous amoureux avec son chéri ou en lien avec son chéri. Un rendez-vous des nouvelles. Peut-être que vous avez un rendez-vous, quelque chose d'imprévu qui va être programmé parce que votre chéri habite loin. Ou c'est lui qui va venir, mais en tout cas, il y a comme quelque chose d'inattendu, lié au lointain. Ça peut être la même personne, hein. Alors attention, il peut y avoir un événement également qui attire des jalousies, ou en tout cas, pour certaines personnes, soyez vigilants.
Il y a un homme qui n'est pas très sympathique autour de vous. Il peut y avoir des nouvelles, justement, par écrit. Il peut y avoir un souci de papier administratif également, en lien pour votre chéri, une situation extérieure, autre ville, autre département, autre région. Et ces papiers administratifs viennent d'une femme qui n'est pas tellement sympathique. Maintenant, il peut y avoir des nouvelles aussi d'analyse de santé concernant votre papa également, qui sont là. On voit très bien que vous allez avoir des nouvelles également de papier administratif très officiel concernant le financier et vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Auquel cas, cette femme peut être une banquière ou en lien avec l'argent. Également, on voit très bien les courriers qui arrivent là. Hein. Alors, nous avons un grand changement, changement professionnel, un déménagement, une belle évolution de quelque chose là. Quelque chose là qui va vous permettre de mettre fin, qui va mettre coupé. Il y avait un blocage. Ben écoutez, pour certains, votre changement, effectivement, peut être bloqué. On a vu au dos quand même qu'il y avait du mouvement. Hein. Pour d'autres, c'est simplement que grâce à ce changement, eh bien, on met fin à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un. En tout cas, il y a un face-à-face pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou tout simplement pour vous, si vous êtes avec les cheveux clairs, ou en lien, en tout cas, amicalement. Il peut y avoir, concernant ce face-à-face, également une contrariété. Dans le domaine professionnel ou dans l'activité qui vous intéresse, dans votre hobby, mais ça peut être aussi tout simplement dans l'activité professionnelle. Là, on voit qu'il y a peut-être un changement qui a été demandé et il y a une contrariété. Bon, vous, ça ne va pas durer parce qu'on a ce 9 de cœur qui est la carte la plus forte. Il y a d'excellentes nouvelles qui vont arriver. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, et c'est une superbe réussite. Si certains d'entre vous sont en attente de changer de travail, de professionnel, d'activité, on voit que même s'il y a un petit coup de stress, même s'il y a, il y a quelque chose de beau qui arrive, là, vous avez la réussite. Hein. Alors, ça peut être question de travailler de sa maison, en lien avec sa maison, un travail qui concerne aussi des travaux de maison. Nous avons avec certitude, ça avait bien fait travailler les ménages, mais en tout cas, c'est là, les papiers aussi recommandés qui vont arriver, qui étaient certes retardés. En tout cas, vous allez pouvoir vous déplacer et mettre un terme à tout ça. Et ça va pouvoir avancer. J'ai envie de dire, certains font peut-être des travaux maison qui vont finir par se débloquer. Pour d'autres, si c'est un changement professionnel, il y a peut-être eu un coup de frein et on voit que ça va finir par bouger également. Il y a en tout cas des recommandés qui vont vous arriver, qui vous ont un peu certes contrarié. Peut-être question également de mettre un terme. Pour certains, vous allez peut-être recevoir également un recommandé qui sans doute met un terme à une certaine activité, mais j'ai l'impression que ça n'est pas subi, c'est voulu parce que vous avez vraiment la réussite là. Hein. Vous passez peut-être à autre chose ou à une envie peut-être de travailler aussi de sa maison. Alors, 7, nous en avons 1, 2, 8, nous en avons 1, 9, nous en avons 1, 2, 3, 4. Oh, bah oui, non, les amis, 4, 9, on est dans la récolte et l'aboutissement. Je ne suis pas étonnée puisque nous avons de toute façon l'as de trèfle. Hein. Donc, domaine professionnel, domaine activité, domaine maison, famille, foyer. Il y a quelque chose de beau qui arrive là, qui se décante, hein, qui va vous permettre vraiment de mettre fin à quelque chose. 10, non, valet, non, dame, non, roi. Et nous avons 1, 2, 3 as. 3 as, nous sommes là sur le coup de chance à l'horizon qui arrive, les amis. C'est plutôt sympathique. Allez, j'en mets une sur le 9 de pique. Avec certitude, on met fin à quelque chose. Avec certitude. Allez, il y a un grand changement là. Pour vous, pour votre fille, meilleure amie, votre sœur, ou une aide amicale qui va vous permettre de ce grand changement. Avec certitude, il y a quelque chose qui vous a mélangé, qui vous a bien fait mariner un petit peu le mental là. Mais en tout cas... Ensuite, il peut y avoir un recommandé qui est arrivé. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est la carte la plus forte. Ça peut être en lien avec la maison, la famille, le foyer. Peut-être une envie de travailler de chez soi. Nous avons une légère contrariété par rapport à un déplacement, à un rendez-vous qui va permettre de toute façon de prendre fin. Ce face-à-face,
va permettre de mettre fin à quelque chose, ou tout simplement, on va couper, on va pouvoir bloquer. Il y avait quelque chose qui était bloqué, ça va s'arranger, en tout cas, avec certitude. Il y a un léger retard, il y a eu un léger retard, hein. C'est peut-être ça qui vous a contrarié. Dans le domaine professionnel, activité du moment, en tout cas, regardez ça, il y a une superbe réussite qui arrive là, il y a un triomphe, un succès. Allez, on va regarder avec Monsieur l'oracle des miroirs. Mardi 22 août. Mardi 22 août. Et nous, waouh! Alors là, vos rêves exaucés. Vous avez une superbe protection sur ce que vous souhaitez mettre en place, les amis. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Alors, au dos, oh, ben je ne vais pas plus loin, regardez ça, superbe protection qui est là, qui maintient, hein, qui reste. Alors, nous avons en dominant une décision de justice, une décision que vous allez prendre également. Ah, une décision qui va tomber, il y a peut-être eu un jugement, là, on est en attente d'un jugement, ou il y a un jugement qui va arriver en tout cas. Et ça va être perçu comme un coup de chance, c'est-à-dire que les décisions qui vont tomber, qui vont arriver, vont être très positives pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentimental. Si c'est un divorce, en tout cas, on voit que les choses reviennent dans votre sens. Hein. Regardez, perçu comme un cadeau, quelque chose de beau. Là, si vous êtes en attente d'un jugement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, bon, eh bien, j'ai l'impression que ça va plutôt tourner à votre avantage. Ça peut être en lien avec un héritage, pour certains. On voit bien qu'il y a eu des soucis, évidemment, forcément, puisqu'il y a eu litige. Vos rêves sont là, les amis. N'oubliez pas que vos rêves, étaient collés au miroir magique, hein. Donc, plutôt sympa. On va prendre la parole, on va discuter, on va discuter. On va discuter sur des choses qui vous ont peut-être un petit peu d'ailleurs travaillé. Hein. Il y a peut-être eu aussi un souci à un moment donné, enfin le médical ou bien le mental également, qui a beaucoup travaillé. Forcément, s'il y a eu de la jalousie, de la trahison, voilà, tout le tatouin, ou bien tout simplement, c'est des propos qui ont été tenus qui vous ont fait mal. Ça peut venir d'amis, évidemment, mais pas que. Pour certains, les amis sont là, il y a un retour de situation, un retour d'événement, un retour d'amis peut-être aussi. Et ça occasionne beaucoup de joie. Il peut y avoir un retour d'événement, de situation amicale qui vont également vous mettre en joie. Hein. Un verdict est rendu, plutôt sympathique, vous en rêviez. Eh bien écoutez, le cadeau va arriver là. Hein. C'était des choses qui n'étaient pas très agréables. Il y a un revirement de situation, on va prendre la parole à ce propos. Et il peut y avoir aussi un héritage pour certaines personnes. C'est un grand coup de chance, de la joie revient, le bonheur arrive par rapport à ces trahisons pour certains. Attention, il y a peut-être eu aussi une tromperie, enfin, peut-être aussi une question d'un jugement de divorce qui est tombé après un adultère. Bon, alors, je vais en mettre une sur accusation et trahison, forcément. Allez, accusation, trahison. Accusation, le changement arrive, les amis, forcément, puisque nous avons un jugement qui tombe, qui arrive là. Il y a eu de la trahison, vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette situation. Pour certains, d'ailleurs, vous allez choisir l'éloignement. Allez, Monsieur Béline.
Allez, Monsieur Belling pour notre mardi 22 août. Mardi 22 août. Mardi 22. Ruine, catastrophe. Il y a quelque chose qui était tombé, qui s'est cassé la figure, hein, qui n'avançait pas vite. Peut-être en lien avec un foyer, famille, maison. Peut-être aussi qu'à un moment donné, il a été question, malheureusement, de placer un de vos parents en maison de santé. C'est jamais très agréable, hein, mais vous allez finir par réussir à trouver votre chemin, votre voie. Il se peut aussi qu'il puisse y avoir un souci. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure au niveau familial. Bon, on voit très bien que des solutions vont être apportées. Peut-être a-t-on traversé un moment difficile en couple. En tout cas, on voit très bien, ça peut concerner également un contrat, que les choses arrivent et les choses vont s'arranger. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, treize. Et au dos, nous avons quelque chose qui n'avance pas vite ou en lien avec votre maman. Il est peut-être question également de se reposer, de maison de repos, hein. Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous, hein. Ça vous a un peu retardé dans votre avancement, bien entendu, ce que l'on peut voir, mais en tout cas, regardez, vous avez la carte la plus forte, hein, derrière qui arrive, donc vous allez être soutenu. Nous avons les cadeaux qui arrivent, le bonheur, la joie. Wow, la grâce, regardez ça. Que du positif, que du positif. Les nouvelles qui vont arriver vont être perçues comme un cadeau, d'excellentes nouvelles qui vont arriver, les amis. On va pouvoir prendre de la hauteur, prendre un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça peut concerner la famille, un héritage ou créer sa propre famille aussi, démarrer quelque chose de nouveau en famille également. On est très attaché à son projet, bien entendu. C'est avec un homme, en lien avec un homme, ou pour vous, mon consultant. On démarre quelque chose de nouveau, je vous l'ai dit, peut-être question également de naissance dans la famille. Attention, concernant ces nouveaux départs, il peut y avoir de la jalousie autour de vous, des ennemis, mais bon, je pense que vous le savez déjà. Et vous, de toute façon, vous avez la réussite sur vos ennemis, hein. Donc, nos problèmes, il va y avoir de l'inattendu, de la joie, de la surprise au sein de la maison, famille, foyer. Dispute, attention, concernant cet inattendu, il peut y avoir aussi par rapport à votre réussite que l'on peut voir, ou de la jalousie, des cancans au niveau famille, maison, foyer. On voit très bien que vous allez avoir quelque chose de beau qui va s'amener à vous, c'est inattendu, c'est inespéré, et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec la famille, foyer, héritage. En tout cas, c'est une belle bénédiction, parce que vous avez une belle protection. Il y a des ennemis qui sont là, qui essayent de vous bloquer. Vous allez en avoir des nouvelles, d'ailleurs, ce qui va occasionner peut-être des disputes. Mais de toute façon, vous avez la réussite dessus, en lien avec un homme où c'est même pour vous. Et vous prenez un nouveau départ. Alors, je vais en mettre une sur ennemi. Et les cancans, les disputes. L'ennemi, c'est tout simplement aussi qu'une situation n'avance pas vite, ou bien vous pouvez être en conflit avec votre maman, hein, pour certains, une personne âgée. Ou en lien, en tout cas, une discorde avec une personne âgée. Bon, vous allez retrouver de toute façon la paix, les amis. Alors, on va terminer avec une petite carte chacun. Pour apprendre à lâcher prise, pour notre mardi 22. Sagittaire, j'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition.
Taureau. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Capricorne. Je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-la par une image positive, constructive et proche du réel. Vierge. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Scorpion. Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Hubert Reeve, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons notre aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Scorpion, Lion. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. Balance. Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Cancer, j'ose me faire plaisir, mi-cancer. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse. Une façon de céder à la tentation du malheur. Poisson. J'apprends à dialoguer avec moi-même. Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques et anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Gémeaux. J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal. Et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Verseau. Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qu'avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Bélier. Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous. Et nous pouvons même transformer tout cela. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du mardi 22 août vous aura parlé. Parlera et vous aidera. Merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas, les amis, de mettre un cœur rouge en commentaire pour gagner
pour participer à ce concours, gagner une guidance personnalisée. J'ai oublié peut-être de vous dire hier que je la fais par écrit. Vous aurez les écrits. Ça reste les écrits. Donc voilà, guidance personnalisée par écrit. On participe, on met un petit commentaire et un petit cœur rouge. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.